On n'a pas l'habitude justement de mâcher nos mots, mais voir évoluer cette équipe de l'USR aujourd'hui. Oh là 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 là. Bravo. En tout cas, Frédéric Tejou, alors que je m'apprêtais à dire Bruno, eh bien cette équipe de l'USR. Les soins que lui ont prodigué les kinés, bien sûr, avec un bon strapping, il a pu bien sûr garder sa cage et être dans la partie. Et Frédéric Tejou, c'est vrai, dans cette rencontre. Une balle, ma foi, au bénéfice évidemment de cette équipe de. Oh là là. Ah ouais, il est allé chercher ce ballon. Frédéric Tejou. Oh là 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 là. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Oh là là là. Oh, il est allé chercher. Encore une claque. Oh là 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 là. Ouais, il faut tourner. Bravo encore. Bravo encore à de Saint-Hubert. Oh là là, Frédéric Tejou encore là. Il est là. Ah, il a fait un grand match ce soir. Très très grand match. Et on repart encore à destination de Gilles Dor. Attention. Attention à ce ballon. Oh là là. Oh là là. Ouais. On a marqué un temps d'arrêt parce qu'on a senti que vient toutes les difficultés dans cette équipe de l'USR. Et attention à Kevin. Oh là là. Ah, quelle occasion encore pour cette équipe du CSM avec ce. Avec une balle qui arrive directement dans les pieds de Malaki. Malaki, que va-t-il faire? Oui, ça a été une belle frappe de Malaki. Oda. Ferjules, ah oui. Oh. Ouais. Absolument, Richard. Hein. Je pense que Frédéric doit faire très très attention parce que Gary nous donne. En plus, c'est sur le bon côté pour lui. Hein. En plus, voilà, il a la faveur du vent. Alors, je pense que Frédéric doit faire attention. Attention, c'est parti. Oh là là, hey. Aïe, 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 aïe. Occasion. Ça va jouer, je suis sûr. Un peu mieux, là. Aïe, bien. Bien, Frédéric Tejou. Oui, ça, c'est mon ballon. Ah, c'est Frédéric, hein. C'est Frédéric Tejou. Que se charger de frapper le cuir. Vouto, c'est lui justement qui avait marqué, je vous l'ai dit, rappelez-vous ses amis téléspectateurs, c'est lui qui avait marqué l'unique but de la sélection de la Guadeloupe, appelée plus communément les Guadaboys, face à la Martinique, lors du match capital, en guise de qualification. Est-ce qu'il aura la possibilité justement, eh bien, de marquer donc ce but, parce qu'on faudrait que tu joues. On sait que c'est un gardien qui a beaucoup, beaucoup de talent. C'est un longiligne. Et attention, hein, parce que si il ne frappe pas le ballon en force, je crois, eh bien, peut-être qu'il va marquer. Mais on va voir. Ballon qui est parti. Oh. Ouais, voilà. Je vous l'ai dit. Hein. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça. Attention, l'action n'est pas terminée. Attention, c'est peut-être l'occasion pour cette équipe formidable. Encore Frédéric Tejou. Il a senti le danger. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est bien fait. Très très bien vu de la part de Ludovic Roseau. Eh bien, il s'est rendu compte que Tejou était. Bakoul. Passez, monsieur. Oh, que c'était bien fait. Très, très, très belle frappe. Très belle frappe de Ludovic Roseau.
Et quelle parade! Quelle parade encore de Tejou! Et beaucoup d'intelligence aussi, bien sûr. Attention à cette. Attention, passe en retrait de. Et. Oh! Quelle parade! Mais vraiment, quelle parade! Formidable! Formidable! Le travail réalisé justement eh bien par Tejou après la frappe de Dominique Moka. Il s'est couché pour empêcher ce ballon de pénétrer dans ses buts. Et d'une claquette, eh bien, il a pu venir tacler Morgan Justine. Ça donne un corner botté par Willis Poincillon côté gauche. Bien parti. Ils étaient deux. Ce joueur qui nous vient de l'Angleterre est très certainement à droit à ce niveau. Voilà. Il est allé chercher le ballon là. Hein. Ouais. En plus, c'était sur lui. Attention. Villemain. En tout cas, le but marqué tout à l'heure par Kevin Amelaïs, le gardien, manifestement, le gardien de cette équipe de l'USF, Frédéric Tejou, eh bien, n'a absolument rien. Oh, alors, là. Attention, désigné le meilleur joueur donc de cette rencontre. Mais je dirais tout simplement, eh bien, c'est Chris Miller-Bollman. Oui, hein. Je pense qu'il est pas loin de... Voilà. Et Frédéric Tejou est là. Ah oui, c'est véritablement, je crois, l'homme du match qui verra les deux formations regagner les vestiaires sur le score de parité de 0 à 0. À moins qu'il me fasse le mentir, ce joueur. Mais quand il y a un Frédéric Tejou à Bruno, eh bien on peut prendre le risque de dire que finalement ce sera un 0 à 0. Ouais. 42 minutes de jeu. Dans la deuxième période, on est toujours à 0-0. Balle qui est partie et intervention sans problème. Eh bien de Frédéric Tejou. Mais attention à cette contre-attaque là maintenant. Passe pour les deux joueurs de couloir. Attention à ce corner. Et sorti de Frédéric Tejou. Peut-être pour la fois. À moins qu'il. Voilà. Ballon qui est parti. Sur la tête de Boutet. Oh, oh là 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 là. Alors, quel occasion. Attention, Fossion. Fossion. Eh bien, a reçu sans doute un très mauvais coup. En allant chercher le ballon, je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Mais je crois que c'est lorsqu'il est allé chercher le ballon, il s'est trouvé avec. Carrément, il a réorienté le jeu pour la barre. Ouais, la barre qui est sur l'égalisateur comme là maintenant. Avec tout simplement. Oh là. Ça c'est l'expérience véritablement. L'expérience. Ah, l'expérience. Non, non, ça pousse. Ça pousse vraiment. Ça c'est vrai. À partir de maintenant là, le jeu du 16e passera par Gomez. Il est fouet, il a de bonnes jambes et il sait comment donner des ballons à ses attaquants. Mais pour l'instant, la rentrée, Ben Imberien, la rentrée de Menji, manifestement est significative. En fait, le sang qu'il vient de faire, ça voudra dire qu'il est entré dans le match, il est dans son match à partir de ce moment-là et il va commencer à jouer. 1-0. Attention, ouais, Frédéric Tejou. Chris Miller. Belle sortie en tout cas. Eh bien de ce joueur. C'est 45 minutes supplémentaires, Bruno. Et déjà, eh bien, un but à 0, on le répète pour l'équipe du CSEB. But marqué à la le ciel. Oui. Et ça c'est peut-être. Oui. Pendant les minutes, hein, je dirais simplement que l'on joue carrément la 27e minute de jeu. Et 0-0. Sirocco aussi, ils ont eu effectivement deux changements offensifs face à. Attention à ce jeu. Belle sortie. Très très belle sortie. Les passes. Et on le répète souvent, hein, Bruno, on le dit très souvent. Nous aimerions que les.
Alors pour qui le ballon trop loin. Ouais, belle sortie. Avec beaucoup d'assurance, la sortie de... On le sait, c'est un fait un peu rarissime. Tous les joueurs, à l'exception du capitaine qui est resté derrière, parce qu'on peut jamais, on ne sait jamais ce qui peut passer, ce qui peut se passer dans un contre. Le gardien, Frédéric Tejou qui est monté, tous les joueurs, et bien de l'USR sont en attaque. Ah ben oui, ça nous fait penser à une certaine finale de Coupe d'Europe des Nations où Fabien Barthez avait été monté pour taper un coup de pied arrêté. Et justement, la France avait égalisé contre l'Italie, si ma mémoire elle est bonne. Et ma foi, Frédéric Tejou, on peut nous faire confiance pour nous donner un très bon ballon qui est parti. Oh oui. Oh non. Le pire aujourd'hui, maintenant, les joueurs ont su aller chercher au plus profond d'eux-mêmes pour nous gratifier d'un très beau match ce soir. Et on tâchera d'ici quelques instants, Bruno, et bien d'avoir pourquoi pas le président, on va essayer d'avoir justement le président d'Haïti. Qui n'est pas très loin de nous, par deux mots de monsieur le président. Oui, tout à fait, le président Michel Martelly.